Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo visite d'un terrain que nous avons globalement fait en live et que j'ai terminé de mon côté au niveau du terrain. On est actuellement sur Newcrest et je vais vous expliquer un petit peu le principe. En fait, le terrain qu'on a fait est un challenge et tous les terrains en fait qui se trouvent ici sont des challenges. Alors, il s'agit en fait de la sauvegarde spéciale challenge, le Build Crest, tout simplement pour Newcrest, avec des défis de construction, quoi, tout simplement, et donc mis en place par Deligracy, assez connue, hein, pour pas dire célèbre, simeuse australienne, qui fait du YouTube et du Twitch. Et donc, elle a eu l'idée, en fait, au lieu de faire plein de petits challenges différents, de les rassembler en une seule map. Donc on est actuellement à Newcrest parce que c'est la map vide, fatalement, c'était plus simple, et d'en faire un challenge de construction géant. Au moins ils sont tous rassemblés, ils sont là, et on a commencé avec celui-ci. Guy, ou Guy, qui se dit aussi en anglais, est fatalement le sim qui a installé Deligracy pour justement tester un petit peu les terrains. On a commencé par celui-ci, qui est en fait un terrain où elle avait déjà mis en place des collines. Elle a elle-même joué avec les outils de terrain pour creuser et pour rajouter des collines sur le terrain. Et le but, c'était tout simplement d'arriver à construire quelque chose dessus sans toucher à ce qui avait été fait. Alors, quelques petites modifications étaient autorisées pour faciliter un petit peu, je sais pas, un coin, une pente, ou vous voyez un peu le délire. Mais en gros, il fallait pas toucher à ce qui était en place et se débrouiller pour arriver à construire quelque chose autour de ça. Si vous êtes intéressé par faire ce challenge, je vous mets, si j'oublie pas, le lien de sa sauvegarde dans la description. Le truc, c'est que c'est tout en anglais, mais après, ce sont des défis qui sont assez connus. C'est-à-dire que là, par exemple, No Mistakes, c'est tout bêtement le challenge construire sans erreur, sans faire d'erreur, que vous connaissez. Donc le but, c'est de construire et que chaque geste fait ne peut être défait. Et quand vous cliquez en fait sur les terrains, vous avez toutes les explications sur chaque description. Vous pouvez trouver chaque terrain individuellement dans sa galerie avec directement la description sur le terrain à télécharger. Et donc vous retrouvez dans la galerie ou sur les descriptions de terrain à chaque fois les instructions pour chaque challenge. Là vous avez par exemple le challenge qui demande d'utiliser tous les objets qui sont placés et de ne pas les bouger en plus. Là par exemple vous devez construire en diagonale, là vous devez construire une maison sous terre. Voilà, vous avez tout plein de challenges de partout. Là c'est une rénovation classique par exemple de Maxis. Là vous avez les toits qui sont déjà faits. Enfin bref, voilà, on s'est attaqué à celui-ci. Et je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a fait. Donc on a quasiment tout fait en live, sauf terminer le terrain en lui-même, c'est-à-dire placer les objets, faire les comment dire, la végétation et puis les peintures de terrain, tout ça. Je l'ai fait de mon côté, c'était très long, mais voilà, c'est enfin terminé. Je vais vous partager au fur et à mesure tout ce qu'on va faire, évidemment. Donc vous pouvez retrouver ce terrain dans ma galerie, lien évidemment comme d'habitude dans la description de la vidéo. Et donc voilà, on se retrouve ici avec le terrain qui est terminé. Donc comme vous le voyez, il y a plusieurs tailles de collines, hein, et il faut vraiment réussir à construire autour. Vous avez aussi 1, 2, 3, 4, 5 points d'eau qui ont été faits, enfin creusés plutôt par Deligracy. Nous, on a décidé de mettre de l'eau parce que c'était plus simple, mais après vous en faites ce que vous voulez. J'ai pas mis de panneaux de pêche, voilà, c'est vraiment juste un peu de la déco que j'ai utilisée. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. Il y a deux entrées au terrain parce que c'est tellement grand que j'ai du mal à construire et contourner un terrain classique, mais alors un machin comme ça c'est assez compliqué effectivement. Donc j'ai mis deux entrées de ces côtés là. Vous avez la boîte aux lettres ici et les poubelles de ce côté. Du coup, en passant par de ce côté directement, je vous ai mis des points de potager, voilà, histoire que ça soit assez utile quand même. De ce côté, vous avez un petit banc avec une lumière ici, que mignonne, hein, comme ça, ça fait des petits coins. J'aime bien, du coup, ça fait, y a plusieurs petits spots pour se poser, c'est assez mignon. J'ai fait ce que j'ai pu, vous savez, mon amour pour les extérieurs, c'est terrible. J'ai fait au mieux, voilà. Il y a une balançoire ici, le terrain est testé, hein. J'ai testé la balançoire sous l'arbre, elle marche. De ce côté, vous avez un petit seau et une serviette pour faire bronzette. Au milieu, on a un petit coin pour se poser avec un feu de camp. Je savais pas trop quoi mettre d'autre parce qu'en fait, du coup, on a mis un barbecue de ce côté, donc je me suis dit, ouais, je vais repartir comme ça. Table ici, et puis petit coin pour s'asseoir de ce côté auprès du feu, c'est sympa. Donc ici, effectivement, c'est un point d'eau qui est le plus profond, en fait, puisque juste à côté, vous avez les collines, donc c'était compliqué à trouver. Donc voilà, la meilleure solution à laquelle on a pensé, c'était les pilotis. Donc vous avez un petit coin, effectivement, avec barbecue, 6 places, et puis, bon, un peu de déco, quoi, normal.
Et ici, pareil, on a décidé, suite à une très brillante idée, d'allonger la maison qu'on a posée sur la colline et de mettre des pilotis pour avoir cet effet-là dans l'eau. Plutôt sympa. L'arrière de la maison n'est pas très intéressant, hein, voilà, c'est très plat. Donc globalement, la maison se présente comme ça. Vous avez un escalier ici qui mène à la porte d'entrée où il y a une petite assise. Là, vous avez de nouveau deux petits pots pour planter. Et là-haut, vous avez un autre petit coin pour s'asseoir et pour faire de la peinture. On commence la visite évidemment par le bas. Donc après la porte d'entrée, vous avez une petite assise de ce côté avec des chaussures. Vous avez un petit panneau qui est coupé, tiens, pour mettre les chaussons. Voilà, je trouvais ça plus chaleureux. Ça donne directement sur la salle à manger que voici. Ça a été très compliqué d'arriver à découper les pièces de cette maison. Voilà, c'est le meilleur résultat. On y a passé du temps. Merci vraiment à tous ceux qui ont la patience en live de faire ça avec moi. Et pour vos suggestions, etc. C'était très chouette. Je suis bien contente du résultat. De ce côté, c'est ouvert sur une cuisine. Elle-même ouverte sur un grand salon qui est du coup l'extension vitrée qu'il y a au-dessus de l'eau. Voilà, pas mal d'activités quand même. On a une chaîne Hi-Fi, on a une télé, on a de nouveau un chevalet. Et puis le petit panier pour faire du tricot. C'est mignon. Voilà, vous avez plusieurs petits points de bibliothèque hein, pour pouvoir choper des livres quand même. Il y a même un appareil photo ici. Et de ce côté, donc derrière la cuisine, on arrive sur un couloir qui fait office de buanderie. Voilà. Petit couloir menant de ce côté à une salle d'eau. Voilà, douche. Et de l'autre côté à un petit chiotte. Coucou. Ensuite, vous avez les escaliers. Et on monte. On arrive sur un couloir avec un ordinateur, une maison à poupées et de ce côté un autre coin pour se poser avec une télé, une bibliothèque. Voilà ce que ça donne un petit peu dans l'autre sens. C'est tout mignon, j'aime bien l'ambiance, c'est cosy, on peut se poser, c'est assez, c'est ouvert et c'est assez fermé en même temps. Donc voilà, j'aime bien quand c'est un petit peu clos, que ce soit pas trop trop ouvert non plus. Je trouve ça vachement plus cosy et appréciable. De ce côté, vous avez une chambre d'ado, voilà, avec un bureau, une chaîne Hi-Fi, encore une fois, de quoi faire de la photo également. On était inspiré comme ça. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, vous avez ici la chambre enfant avec une table d'activité, un petit rongeur, bébé Yoda bien évidemment, évidemment de quoi s'asseoir, une petite bibliothèque de nouveau et une peluche. Ici, une deuxième salle d'eau, hop, et le toilette est séparé de nouveau. Il se trouve juste ici dans le renfoncement que voilà. Et de ce côté, vous avez du coup la fameuse extension qui est posée sur l'autre colline. Qui fait un petit peu ouais, office d'extension moderne à cette maison qui a été rénovée. Et donc c'est la grande chambre parentale, voilà, ils sont tranquilles, ils ont une belle vue, c'est magnifique. Il y a un clavier, évidemment une commode, un miroir, de quoi se poser, évidemment de quoi lire, tout ça, de la déco, et vraiment une vue superbe sur le terrain. Voilà, nous avons fait le tour, je vous montre à quoi ça ressemble quand même d'en haut. Donc voilà comment est découpée cette maison, hop, et hop. Voilà, donc je rappelle que la maison est sur la galerie, j'espère que vous avez apprécié la visite, pour ceux qui découvraient peut-être ce terrain et qui n'étaient pas avec nous en live. Pour les autres, j'espère que la fin vous convient, et puis bah, j'ai hâte de commencer un autre challenge, on verra ça une prochaine fois en live. Je vous remercie évidemment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire ou partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait et que ça vous plaît. Moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.